Bienvenue dans l'After School. L'After School. L'After School. C'est tous les jeudis, 20h-22h, en direct avec Sarah. Sur BL. Est-ce que t'es deux, parce que t'as plus de 2 millions de followers sur tes, sur Instagram, sur tes réseaux sociaux. Est-ce qu'ils te suivent dans la musique C'est difficile parce que bah justement j'ai un peu cette étiquette d'influenceuse qui me colle aux fesses et du coup ça décrédibilise un petit peu mon projet musical. Mais je trouve que c'est un beau challenge. En fin de compte, aujourd'hui tous les artistes utilisent les réseaux sociaux. Hein, bien sûr, ouais. Et apprendre à communiquer de manière intelligente avec son audience, c'est un vrai apprentissage. Et je suis ravie de l'avoir eu avant de lancer mon projet. Ça m'a appris plein de choses. Et maintenant, je sais trouver mon équilibre. Je lisais les commentaires de tes vidéos YouTube. C'était des gens qui venaient de Instagram, j'imagine, de ton blog. Ouais, ouais. Et les commentaires, c'est toujours positif. C'est genre bravo d'assumer ta vraie passion. Il faut acheter derrière. Ouais, c'est comme ça maintenant. Mais crois-moi que je me suis pris des vrais gifles. Hein. Il y a des gens qui ont littéralement créé des vrais topics de discussion sur des forums genre Reddit. Juste sur oh toi. Là, mais qu'est-ce qui. Mais c'était du coup, tu lis tous ces commentaires. Des fois, je peux pas m'en empêcher. Parce que j'aime bien aussi lire des critiques parce que je trouve ça hyper constructif et intéressant. Et en fait, il y avait un forum une fois où c'était juste tellement violent verbalement. Enfin, les gens vraiment, c'était cruel, je trouve. Du coup, je me suis créé c'est l'exposition, un compte, la reine, quoi. Et j'étais là. Bonsoir tout le monde, ici Christina Bazan. Bravo, merci de la liberté d'expression sur Internet. Mais, et j'ai commencé, j'ai fait une longue réponse. Si qui que ce soit veut aller voir, c'est sur Reddit. voilà. Mais non, mais des fois, je trouve qu'il faut se défendre parce que c'est vrai qu'on s'approprie les artistes comme si, voilà, un artiste, c'est un produit. Et moi, vraiment, en fait. Comme s'il avait pas de parole publique. Mais c'est un truc de fou. Et enfin, les gens sont méchants. Ils se rendent pas compte qu'il y a une vraie personne derrière. Parce qu'ils sont derrière leur écran, ils sont mais planqués. Bien sûr. Quoi. C'est et toi, jamais en face, de toute façon. Ouais. Ah, mais enfin, je parle de moi, mais en fait. Sauf toi dans le métro. Tu regardes n'importe quel artiste. C'est quand même un truc de fou. Enfin, sur YouTube, les gens manquent vraiment de tact parfois. Et je trouve ça. Est-ce que ça te fragilise? Ça m'exaspère, ça me. Non, parce qu'il y en a qui, quand ils sont addicts, tu vois, à tous ces réseaux sociaux, parfois, au niveau narcissique, ça crée des trucs, tu vois. Ah non, mais complètement, je trouve que ça devrait être une vraie conversation. Et même quand je parle avec des potes à moi qui sont chanteurs ou qui sont acteurs ou des gens qui sont juste un peu exposés médiatiquement, mais les gens, ils disent « Ah, mais lui, mais il est connu, il est riche, il doit être hyper heureux. » Enfin, et les gens, du coup, ils se permettent des choses qu'ils ne se permettraient pas forcément avec leurs amis ou des gens qu'ils connaissent. Et ils se permettent ça avec ces personnes. Et en fait, ils se disent « Mais pourquoi lui, il est triste? Pourquoi il fait une dépression? Pourquoi il est alcoolique ?» Et les gens, ils ne les laissent pas, en fait, être vraiment eux-mêmes ou montrer des parties de leur vulnérabilité. Ouais, t'as appris à te blinder quand même, quoi. Un peu, ouais. Donc, complètement, moi, je trouve que c'est bien de répondre, en fait, à ça. Mais de répondre intelligemment, de manière diplomatique, en fait, d'avoir presque un rôle éducatif et de dire à part ça tranquille mec t'as pas t'es, tu vois toi Ben H, est-ce que tu lis aussi les commentaires par exemple toutes tes chroniques bien ou des sûr, choses comme ça comme elle évidemment est-ce que tu réponds est-ce que c'est des choses toujours. Qui touchent aussi ou... toujours ouais. Plus il y a de la haine plus je réponds. Et qu'est-ce que tu dis en parlant non, mais c'est une bonne leçon. Non, c'est ce qu'il faut faire. J'envoie des petits cœurs, quoi. J'envoie des petits cœurs. C'est toujours les mêmes profils. On n'a jamais. Il y a jamais un mec qui est arrivé avec son nom, son prénom, sa photo, qui va venir te niquer. C'est toujours un gars. Et puis c'est toujours des trucs un peu au cul. Enfin, je sais pas de toi, mais moi qui suis beaucoup sur l'actualité, c'est souvent les néo-nazis. C'est souvent les trucs comme ça qui viennent. Ah oui, donc c'est souvent des comptes dégueulasses, vraiment très moches. Donc évidemment qu'on leur répond parce que. Bah parce que l'amour c'est mieux que la haine. Et je me présente à Miss France. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.